Bon, cette fois ça devrait être bon. J'ai tout mis en place, plus ou moins. Allez. De toute façon, s'il nous manque un truc, comme d'habitude, ce sera à l'arrache totale. J'y suis prêt, j'y suis prêt, j'y suis prêt. Let's go! Bonsoir à tous, bonsoir, nous sommes le vendredi 14 juin, 14 juin déjà. On a bouffé la moitié de l'année quasiment, c'est un truc de fou. J'espère que vous allez bien, comme d'habitude. Est-ce que votre semaine s'est bien passée? Ce soir, on va faire joujou. En vrai, c'est tellement con que j'ai vraiment envie que ça marche, hein, mais ça va nous permettre d'apprendre plein de choses. Donc, comme vous avez vu dans le titre, on va jouer avec le Stream Deck d'Elgato. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vais revenir sur ce que c'est. Je vais revenir sur à quoi ça, sur l'intérêt d'un tel outil. Pourquoi c'est intéressant au-delà du stream? Parce que ça s'appelle un stream deck à la base. Parce que la cible première, c'est les gens qui font du streaming, Twitch, YouTube, autres plateformes. Bref, qui font de la diffusion en direct et qui ont besoin de se faciliter la vie à gérer comment dire? Comment on pourrait appeler ça? Leur mise en scène? On peut le dire comme ça, voilà. Mais le fait est que c'est des appareils qui ont quand même un peu évolué depuis et qui permettent d'aller beaucoup plus loin, que ce soit avec le Stream Deck Elgato, avec d'autres appareils, parce qu'on va voir qu'Elgato est plus seul maintenant sur le marché. Maintenant que ça existe et que c'est pas trop mal supporté, je voulais tester sous Linux. Et j'ai vu une débilité passer sur la façon dont on peut brancher des périphériques USB sur WSL2. Donc WSL2 qui est le système Linux embarqué dans Windows par Microsoft, qui a une façon très particulière de fonctionner, alors que c'est de l'hyper-V et qu'on pourrait faire certaines choses. Ils ont décidé de faire ça autrement, ça dit beaucoup en plus sur la philosophie de Microsoft, parce qu'il y a d'autres aspects. De l'interaction WSL2 avec Windows qui repose sur les mêmes enfin, qui repose sur des concepts voisins. Je trouvais ça intéressant de revenir dessus. Donc on va voir tout ça ce soir. Ça va rester léger, hein, on va pas non plus rentrer dans des trucs trop violents. Ouais, il y a quand même juste un truc où vous allez me voir faire, je vous expliquerai au fur et à mesure. Parce que j'ai une petite subtilité sur le support des applications graphiques dans WSL2. Microsoft a intégré WSLG il y a un moment maintenant, et j'ai eu quelques difficultés, notamment avec l'agencement clavier, voilà. Donc, c'est-à-dire que quand je lançais les applications graphiques, il me mettait un clavier US. Et du coup, là, pour le coup, je suis rentré dans les tréfonds du fonctionnement. C'est pour ça que je dis que j'ai découvert des choses et que ça rejoint un petit peu ce qu'on va faire ce soir avec le Stream Deck. Donc, voilà. Du coup, donc le Stream Deck, à quoi ça ressemble, pour ceux qui en ont jamais vu? Ben, ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça. C'est un petit paftar avec des boutons. Vous pouvez affecter des actions et des raccourcis. Donc là, alors à cause de la lumière et tout le temps, voilà, je vais essayer de choper un angle. Vous n'avez pas les reflets. C'est un profil OBS. Donc vous avez des boutons pour. Alors j'ai pas configuré toutes les scènes, mais les principales que j'utilise. Savoir le waiting screen, le ending screen, la webcam, vous voyez que c'est en bleu tout entouré parce que c'est la scène qui est active. Plus derrière à côté, j'ai dû mettre le bureau et je sais même plus après ce que j'ai mis quoi. Ah oui, une variante où il y a le téléphone en tant que caméra. Que j'ai décidé de pas faire ce soir, mais c'est pas grave. Un bouton, donc là ici c'est pour lancer ou arrêter le. Putain, faut vraiment que je. Voilà. Un bouton pour lancer ou arrêter la diffusion, et en dessous c'est un bouton pour changer de profil. En l'occurrence, on va voir, mais c'est un bouton, j'affiche le profil bureau sur lequel j'ai configuré d'autres actions. C'est pour ça que je dis que ça va au-delà du stream. Là en l'occurrence à la base ça contrôle OBS. Je pourrais rajouter d'autres trucs qui pourraient être plus ou moins liés à OBS, mais pas que. Voilà. Et donc, cette petite bête-là, quand vous l'achetez neuf, ça coûte quand même un truc comme 160 et quelques balles, donc c'est pas donné.
Moi, en l'occurrence, celui-là, et je vous conseille de chercher, on en trouve assez régulièrement sur des sites comme Le Bon Coin. Celui-là, je l'ai payé, quoi, ça doit être 102 euros avec les frais de port, un truc comme ça. Et en plus, j'ai la chance parce que c'est la première génération, c'est le Mark 1. Et le Mark 1, en fait, il vient avec un pied, comme ça, qui paraît très désarticulé comme ça parce que je le tiens n'importe comment, mais l'avantage, c'est qu'en fait, il est réglable du coup. Et je peux choisir l'angle avec lequel je le pose sur mon bureau. Et puis du coup, bah, quand vous voulez ranger, ça peut prendre beaucoup moins. Ça prend beaucoup moins de place. Parce que le Mark II qu'ils ont sorti, plus récent, le pied est fixe, le pied et l'angle sont fixes. Donc du coup, je trouve ça moins intéressant. Donc voilà. Et donc quand je disais que bah, ils sont plus seuls sur le marché, typiquement, hey, j'appuie sur un bouton, on va passer sur le bureau. Et donc là, j'ai pris l'exemple de Top Achat, je suis allé dans la catégorie streaming, parce qu'il y a des catégories dédiées pour ça, j'ai filtré sur les boîtiers de contrôle, parce que c'est boîtiers de contrôle. Donc on voit que la marque Elgato a fait plusieurs variantes du fameux Stream Deck. On a le mini, qui coûte 65 balles pour seulement 6 boutons, c'est vraiment pas beaucoup. Ils font une version plus où vous avez 8 boutons seulement, en sachant que moi j'en ai 15. Hein. Mais vous avez un écran de contrôle et des potards, des potards où vous pouvez bah, du coup gérer typiquement par exemple vos volumes directement avec les boutons du casque, volume du micro si vous voulez le faire comme ça. C'est quand même 230 balles. Après, Top Achat, c'est pas forcément les moins chers hein, à tous les coups sur Amazon. Donc, ah oui, donc je parlais du fameux Mark II. Donc vous voyez, le Mark II, en fait, le pied, il est fixe avec le Mark II. Alors après, l'appareil est un petit peu plus récent. Il est certainement un poil plus puissant. Je ne sais pas s'il y a une différence de qualité au niveau des boutons. Moi, honnêtement, je m'en plains pas. La luminosité de l'écran qui est derrière. C'est pas un écran par bouton, en fait. Dans la pratique, c'est un écran complet et le logiciel de contrôle sélectionne une zone bien particulière de chaque bouton pour, voilà, pour afficher le contenu. Vous avez la version XL où là vous avez beaucoup trop de boutons. On est un truc sur un 8x4, 32 boutons, c'est ça? Est-ce qu'on a 8x4, c'est ça, 32 touches. 32 touches, mais bon, c'est quand même 100 balles de plus que celui de base à 15 touches. Et pareil, le pied est fixe. Autant dire que c'est quelque chose. Mais par contre, vous voyez. Ah oui, il y a le tout dernier de la famille, la gamme Neo, qu'ils ont sorti il y a quoi? Il y a 3 semaines, maintenant, un truc comme ça. Alors, c'est un prix contenu, c'est effectivement, c'est 100 balles neuf. Il y a 8 boutons seulement. Mais il y a des boutons intégrés pour pouvoir afficher plusieurs pages entre guillemets d'action. Sachant que sur le Stream Deck classique, vous avez des actions qui vous occupent un bouton du coup pour changer de page. Et un petit écran intégré pour afficher des informations comme l'heure ou d'autres choses, je pense. Alors comme j'ai pas cherché à le bricoler. Mais voilà, mais la gamme Neo, voilà, c'est une gamme qui est sortie. Alors les produits sont tout blancs. Et ils ont sorti un boîtier de capture, ils ont sorti donc le Stream Deck Neo, ils ont sorti la Keylight, donc c'est une lumière. Qui est contrôlable, vous pouvez contrôler la température de la lumière, les intensités, ce genre de choses, voilà. Qui coûte 100 balles aussi. Et le dernier, le quatrième, je ne sais plus ce que c'est, ils ont sorti 4 trucs. La Facecam Neo, qui est une webcam Full HD en 60 FPS, qui coûte 100 balles aussi. Bon, c'est le prix que j'ai payé ma Logitech Streamcam, moi, donc bon. Pas forcément beaucoup plus d'intérêt à part s'il y a des tests qui permettent de comment de comparer tout ce qui est champ de vision focal etc. Et puis bon bah après derrière la qualité de ah oui il y a le micro aussi le micro wave aussi qu'ils ont sorti c'est vrai que
Ça fait, il y a quand même quelques produits, voilà. Donc, je disais, ils ne sont plus les seuls maintenant. Pendant très longtemps, ils étaient tout seuls sur le marché, mais depuis, vous avez d'autres fabricants qui se sont lancés. Bon, vous avez Hercule, alors pareil, encore une fois, ça vous donne des trucs. Or, celui-là, c'est un contrôleur audio avec 4 boutons d'action seulement. Ouais, c'est pas la folie. Non, ce que j'avais vu surtout, c'était le Stream Controller, voilà, de Razer, mais c'est pareil, Razer étant une marque full gaming. Bon, bah, vous voyez que vous avez pas mal de boutons, l'écran tactile et tout le tintouin, et du coup, vous vous retrouvez qu'un produit qui a 270 balles, donc on n'est pas spécialement sur une alternative bon marché. Le X, lui, est un peu plus classique, on va dire, dans son approche. Et pour le sujet qui va nous intéresser ce soir, c'est vraiment que c'est contrôlable. Le Stream Controller X est aussi supporté sous Linux avec des bibliothèques indépendantes. Voilà. Vous avez Rode qui veut décider de vous faire un truc complet, c'est-à-dire que vous avez fait capture vidéo 4K, interface XLR pour des micros, vous avez des boutons d'action. C'est full package pour 350 balles. Bon, après, il faut pas en demander trop, je pense. En plus, là, je crois qu'il n'y a même pas d'écran ou un truc comme ça. Donc, du coup, faut vraiment savoir ce qu'on fait avec les boutons, j'ai l'impression. Mais vous avez quand même une connectique assez énervée. Hein, donc, bon, voilà. Chacun trouvera. Mais c'est vrai qu'on n'a pas énormément beaucoup de capacités. Alors, après, aussi, j'avais mentionné, et je m'en suis servi pendant quelques temps, hein, il y a quelques années, j'en avais parlé sur mon blog. Voilà, quand on ne veut que contrôler OBS, et c'est encore plus facile maintenant qu'ils l'ont intégré, vous n'avez pas besoin de Stream Deck. Vous pouvez très bien vous en sortir avec un téléphone. J'étais content de mon montage, moi. J'avais fait ça moi-même. Punaise. Incroyable. Vous pouvez vous passer d'appareil dédié. Alors, c'est un bel appareil, hein, c'est full métal, les boutons répondent bien, machin, il y a un écran LCD, tout le bord, écran LCD couleur, tout ce que vous voulez, mais si votre truc, c'est juste de contrôler vos scènes OBS, une petite tablette d'occasion qui va vous coûter vraiment que dalle, un smartphone qui traîne dont vous ne vous servez plus. Et maintenant, alors dans l'article, il me semble qu'à l'époque, je parlais de l'extension. Non, alors ça, c'est le protocole WebSocket. Mais voilà, il y a un plugin qui s'appelle OBS WebSocket. Et en fait, ce plugin-là a depuis été intégré dans OBS. Avant, il fallait l'installer indépendamment. Et depuis, il a été complètement intégré dedans. Vous avez juste à paramétrer, à l'activer, à activer la connexion WebSocket avec les paramètres, les ports, le mot de passe, etc. Et après, vous paramétrez votre application. Donc c'est plus ou moins la même. L'interface n'a pas beaucoup bougé, hein, mais comment? Et du coup, vous pouvez faire la même chose. Donc ça reprend mes vieux trucs à moi. Ça, c'était bien avant que je me mette au streaming, mais j'avais quand même tenté des trucs. Et du coup, vous êtes branché sur votre OBS et vous pouvez, voilà, vous pouvez bosser peinard. Donc après. Alors, c'était quoi ça? Ça, c'était un article qui n'existe plus. Ah oui, là, d'accord. Ok, bon. En même temps, c'est pas très grave. On verra plus tard. Ça doit faire partie du milliard de liens morts même sur mon blog dont je ne me suis pas encore occupé. Mais bon, par contre, cette solution-là ne concerne que OBS. Voilà, dès que vous avez autre chose à faire, et je vais vous montrer pourquoi en fait on peut faire autre chose.
Comment? On peut faire beaucoup d'autres choses, mais si vous n'avez pas autre chose à faire, voilà, vous n'avez pas besoin d'acheter. Le logiciel, il a l'air très simple, hein. Le logiciel, vous choisissez le profil que vous voulez. Et après, vous avez à droite des types d'actions, des plus ou moins intégrées. Alors, je reviendrai. Ceux qui m'ont suivi sur Twitter ont vu certainement passer le thread concernant l'intégration OBS, c'est-à-dire que pendant très longtemps, ils l'ont. Bon, je reviendrai dessus après. Bref, on va se concentrer sur la présentation. Donc là, on est sur OBS, et donc j'ai des actions OBS pour visibilité de la source, si je veux activer, désactiver une source en particulier, le tampon de relecture, je ne sais plus trop à quoi il sert, enfin bref, il y a pas mal, plusieurs actions qui sont supportées. En fait, quand vous installez le logiciel Elgato, il va installer son propre plugin dans OBS pour automatiquement créer la connexion entre les deux quand vous lancez le logiciel Stream Deck. Et ce qui est rigolo, c'est que le plugin est toujours installé, mais les actions ne sont plus intégrées par défaut. Voilà. Et donc tous les tutos que vous trouvez des 2 dernières années vous disent vous installez le logiciel et c'est bon. Et sauf que c'est plus le cas. Bon bref, voilà. Et donc vous pouvez générer plusieurs pages. Donc quand vous faites ça, vous voyez, il ajoute automatiquement un bouton pour dire il y a une deuxième page. Et d'ailleurs, l'affichage à l'écran se met à jour en même temps quand vous appuyez sur le bouton aussi. Donc il vous rajoute automatiquement les précédents suivants. Donc c'est quelque chose que vous retrouvez. Donc ça va être dans. Non, c'est pas dans Stream Deck, ça va être dans quoi? Navigation, voilà, page précédente, page suivante, elles sont là. Et donc là, si on voulait forcer l'utilisation de page suivante, on pourrait le mettre là. Voilà. Bon après, on n'a plus besoin, qu'on supprime. De toute façon, j'ai même pas besoin de la deuxième page, donc je vais la supprimer. Voilà, et je vais revenir, il me revient sur la même page. Et donc ça vous permet, plutôt que de devoir prendre votre souris, d'aller cliquer sur l'interface d'OBS, etc., de directement lancer les actions depuis un pavé dédié. Alors sachant que vous pouvez aussi faire ça avec des raccourcis clavier, c'est-à-dire que vous pouvez affecter des raccourcis clavier à vos scènes dans OBS. Et après, si vous êtes très calé sur vos raccourcis clavier et que ça ne rentre pas en conflit avec ce que vous êtes en train de faire, vous pouvez utiliser les raccourcis clavier pour déclencher les switches de scène, le démarrage de l'enregistrement, ce genre de choses. Mais le fait d'avoir un petit clavier avec des boutons visuels sur lesquels vous pouvez configurer à chaque fois, parce que pour chaque bouton. Vous avez un système donc de activer, désactiver, et vous pouvez contrôler quelle est l'icône, quel est le texte du bouton. Et là, comme c'est des actions OBS, vous pouvez choisir la scène et vous pouvez dire quelle cible, c'est-à-dire soit, parce que là, moi, typiquement, par exemple, je suis en mode studio, c'est-à-dire que j'ai 2 affichages dans OBS, j'en ai un avec la scène que vous voyez. Et j'en ai un avec une scène que je peux préparer qui s'appelle aperçu et où je peux modifier des choses avant de vous l'afficher. Voilà. Ça peut être assez intéressant. Genre typiquement, vous devez préparer une mise à jour plutôt que de bidouiller une scène en direct. Enfin, souvent, c'est quand vous commencez à avoir des émissions un petit peu pro. Qui du coup vont préparer une mise à jour d'une scène en parallèle de continuer à diffuser un truc plutôt que de changer à la one again pendant que vous êtes en train de regarder votre émission. Si jamais vous voyez apparaître popper des trucs en train d'être dimensionné, etc., vous allez voir que c'est dégueulasse. Quand c'est le streamer qui est tout seul et qui fait ça parce qu'il fait comme s'il était en slip dans sa chambre, c'est rigolo. Mais quand vous regardez une émission qui se veut un peu pro, ça gratte un petit peu, donc du coup. Ce système de studio, vous le faites en parallèle, c'est pas mal. Et donc du coup, vous pouvez configurer des boutons pour aussi afficher à l'avance une scène qui pourrait vous servir. Voilà. Donc ça, tout ça, pareil, c'est encore OBS. C'est encore OBS. Mais vous voyez, il y a un bouton desktop. Alors, vous ne le voyez pas en très grand, je sais, mais
parce que je peux pas zoomer dans l'application, désolé. Et si j'appuie dessus, ça me passe sur le profil desktop. Donc vous voyez, je suis sur desktop. Que fait desktop? Alors pour l'instant, j'ai pas grand-chose. J'ai créé des actions particulières qu'on appelle les multi-actions. J'ai aussi un commutateur de multi-actions. Bon, là, pour le coup, voilà, j'en ai pas encore eu besoin, mais multi-actions, ça fait quoi? Vous avez une icône que vous pouvez changer aussi, hein, pareil, vous avez, de toute façon, tous les boutons, vous pouvez mettre des icônes custom si vous voulez. Et pour les boutons qui sont des bascules, comme dans OBS, par, notamment pour les scènes, les bascules, vous pouvez choisir une icône différente pour selon que c'est une scène active ou pas, par exemple. Donc on parle de multi-action. Moi, celle-là, pour l'essai, je l'ai appelée codage. Codage, ça fait quoi? On voit qu'il y a deux actions. Non, c'est écrit tout petit, hein, mais... Et si je vais dessus, on voit que j'ai fait quoi? J'ai fait ouvrir Sublime Text et ouvre-moi. Alors, je l'ai appelé WinTerm parce qu'elle est particulière, celle-là. C'est le Microsoft Terminal. C'est ça. Hein. Et vous, ça, vous connaissez maintenant, je pense. Voilà. Je peux le fermer parce que je peux montrer comment ça marche. Hein. En fait, le Windows Terminal, c'est une application qui techniquement dépend des frameworks du Microsoft Store, et donc c'est pas comme les applications classiques ou les jeux, vous avez un .exe à déclarer. Là, typiquement, Sublime Text, alors là, en l'occurrence, moi, c'est particulier. Si, parce qu'il a retrouvé sublimetext.exe, mais il a pris l'information à partir du raccourci du menu démarrer. Bon, ça c'est pas très grave, mais en gros, typiquement, c'est quoi? C'est je fais système, là je rajoute ouvrir, et en fait quand je vais là-dedans, je fais sélectionner un fichier, et par défaut, il vous met dans le menu démarrer. Il vous met dans le menu démarrer, et après, vous voyez, il y a la liste des applications, et donc là, si je fais ça et que je dis par exemple, je veux partition master, là, il a retrouvé le binaire de partition master, mais il a pris l'information depuis le raccourci. Il a pris le texte, et il me propose le texte. Bon, là, en l'occurrence, le texte, comme c'est dans un multi-action, on s'en fout un peu. Comment? Mais voilà, on peut le faire comme ça. Bon, là, en l'occurrence, celle-là, je la supprime parce que j'en ai pas besoin. Mais, donc, vous voyez, on peut enchaîner plusieurs actions comme ça, et de toutes les actions, plus ou moins, qu'on a là. Hein. C'est, oui, je peux créer une soundboard si je veux. Bon, je m'en fous, hein, j'ai pas envie de faire une soundboard, je suis pas... Vous n'êtes pas là pour ça, je suis pas là pour ça non plus. Mais vous voyez, on peut forcer à changer de profil, par exemple, avec un bouton multi-action. Là, par exemple, je peux cliquer sur le bouton. Si je clique sur le bouton codage, il va m'ouvrir Sublime Text, il va m'ouvrir le Windows Terminal. Et puis, je peux créer un profil supplémentaire pour mon environnement de développement, par exemple, dans lequel je peux configurer plusieurs actions. Et où plutôt que du coup aller chercher soit des raccourcis clavier, soit un enchaînement de raccourcis clavier, soit devoir dérouler des menus qui ne peuvent pas être manipulés par des raccourcis clavier, eh ben, je peux peut-être configurer des actions dans un profil dédié du Stream Deck, et donc afficher directement ce profil une fois que l'application est ouverte. Je peux faire ça, puis je dis bah, prends-moi le profil. Bon, là c'est OBS, mais. J'ai que OBS et PUBG. PUBG, on verra après ce que je fais. Mais, donc voilà. Et après, en plus, quand il y a le profil à plusieurs pages, on peut sélectionner directement la page. Donc voilà, on est quand même sur un truc comme ça. Et donc là, maintenant, si j'appuie sur le bouton codage, hop, vous voyez, ça me lance Sublime Text, et dans la foulée, ça me lance mon Windows Terminal. Alors, pour info, le Windows Terminal, pour lancer les applications avec le Stream Deck... Je suis tombé sur cet article, bon, qui date de 2021, mais qui est toujours valide. Et j'ai trouvé ça dégueulasse. J'ai trouvé ça dégueulasse, c'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez pas simplement le lancer. C'est un peu... Je suis passé par le PowerShell pour récupérer la liste des applications. Ensuite, bon, là, en l'occurrence, il montre Trello, mais moi, je cherchais du coup le... l'identifiant pour le Windows Terminal, et j'en suis arrivé à faire
J'ai fait quoi? Je l'ai mis où ce truc-là? Je sais même plus où je l'ai foutu, où je l'ai rangé. Je l'ai peut-être mis directement dans mon dossier utilisateur. J'ai pas créé un truc script ou batch ou une connerie dans le genre. Je sais plus ce que j'ai fait. Bon, la liste, elle est là en tout cas. Vous avez la liste des applications que vous pouvez ouvrir qui dépendent des bibliothèques de. Donc du Windows Store. Enfin, c'est quoi? C'est Modern UI, c'est. Je sais même plus comment ça s'appelle à force. Mais voilà, il y a des choses que vous êtes comme ça, que vous. Et donc j'ai trouvé le Windows Terminal qui est là. Et donc il a un nom à la con. Et en fait, ce nom à la con doit être utilisé dans une commande où vous faites un explorer.exe. Alors ça m'a buté. En fait, pour l'appeler, faut utiliser explorer.exe. Explorer.exe, pour les plus vieux, ça doit vous rappeler des choses. Dans Windows, c'est le processus principal qui gère à la fois l'explorateur de fichiers et l'environnement de bureau. C'est-à-dire que quand vous avez le Windows qui démarre avec les icônes du bureau, la barre des tâches et tout le tintouin, c'est contrôlé par explorer.exe. Et le même explorer.exe est utilisé pour un explorateur de fichiers. C'est quand même complètement dingue, mais vous devez passer par là pour ouvrir des applications qui viennent du Windows Store. Et donc vous faites ça comme ça, vous faites un start explorer.exe avec le shell app folder et vous mettez l'identifiant de l'application et ça débarre. Et du coup, je l'ai foutu. Alors, je vais reprendre ça, je l'ai mis où? Document bash. Alors je suis bigleux ou. Je suis bigleux. C'est. Okay. Bah oui, batch, il est là. Ok, et donc du coup, si je fais. Bon là je vais faire modifier dans le bloc-notes. Et ça marche en faisant le zoom. Donc voilà. Donc, vous voyez, j'ai fait un point batch. J'ai juste mis ça et ça marche. Alors par contre, ça m'ouvre une nouvelle fenêtre. Bon, voilà. Si j'ai une fenêtre qui est existante, déjà ça bascule pas dessus et ça m'ouvre pas un nouvel onglet, par exemple. J'en demande pas trop. C'était juste pour faire du test. Je reviens sur l'application qu'on vient. Vous voyez, j'ai fait un deuxième multi-action qui s'appelle Stream. Qui prend deux actions aussi pour l'instant, qui m'ouvre un site web directement vers le stream manager de Twitch. Donc ça me présente l'interface dans laquelle j'ai plusieurs modules où j'ai les informations de la durée de la session, le nombre de spectateurs qu'il y a, le nombre de followers que j'ai, la stabilité du débit, où je sais pas pourquoi, ça fait un mois et demi qu'il me dit que c'est instable alors que c'est les mêmes paramètres qu'avant. J'ai un aperçu, j'ai des actions rapides, j'ai le fil d'actualité où j'ai la liste des followers, et j'ai le chat. Comment? Et derrière, dans la foulée, il m'ouvre OBS aussi. Alors, de toute façon, OBS met quand même pas mal de temps à se lancer, mais. Alors, le truc qui est furieux, par contre, c'est qu'on a maximum 100 millisecondes. Je peux pas mettre plus, hein. J'ai essayé. J'y arrive pas. On peut pas attendre une seconde pour qu'il lance un truc. C'est vraiment 100 millisecondes, c'est le maximum. Alors, il y a peut-être moyen de. Arnaquer le game en mettant des actions débiles où il se passe rien pendant une seconde. Mais voilà. C'est pas très grave non plus. Et donc vous voyez, avec un bouton, vous pouvez vous préparer une activité complète. Là, à chaque fois, j'ai que deux trucs à lancer, mais je pourrais en avoir plus, par exemple. Genre là, qu'est-ce que je pourrais avoir en plus? Quand je travaille dans la partie codage, c'est basique. J'ouvre mon éditeur, j'ouvre mon terminal. Je pourrais m'ouvrir une musique de fond. Avec du multi-action, je pourrais tout à fait envisager de rajouter en plus. Comme on est dans du multi-action, je pourrais aussi envisager de me rajouter. Alors normalement, il sera rebranché ce week-end, mais mon Home Assistant. Et si mon Home Assistant, je branche de la lumière dessus, je pourrais contrôler la lumière aussi. Pourrait déclencher de la musique de fond. Donc je pourrais rajouter tout ça dans le multi-action.
Et donc, vous voyez, on peut piloter quand même vraiment pas mal de choses. Vous pouvez aussi vous préparer un profil pour avoir des éléments particuliers visuellement. Typiquement, j'ai commencé à me préparer un PUBG avec un bouton qui s'appelle Instant Record. Alors, il me semble que ça doit passer par une application secondaire chez Nvidia, type GeForce Experience ou la nouvelle Nvidia App. Mais par exemple, vous venez de faire un truc de folie dans votre jeu et vous voulez pouvoir le partager. Bah, vous avez des applications. Donc, typiquement, c'est l'Instant Replay chez AMD. Et j'ai très mal écrit. Je vais le renommer. Instant Replay chez AMD et je sais plus comment ça s'appelle chez Nvidia. Et je sais pas si Intel a la même finalité. Mais il peut garder en mémoire jusqu'à. Moi, je crois que j'ai tablé sur 60 secondes ou une minute, je sais plus. De ce que vous êtes en train de faire dans votre jeu. Et donc, si vous cliquez sur le bouton, pouf, ça vous crée une vidéo de ces 60 secondes, 2 minutes. Je sais plus combien j'ai paramétré. Je peux peut-être retourner voir d'ailleurs. MD Software Adrénaline. Ça va être dans quoi? Préférence. Non, ça va être dans enregistrer, diffuser. Alors non, ça c'est un vieux truc, donc c'est pas ça. Ça va être quoi jeu? Graphisme, non. Advisor, affichage non plus. J'ai pas un truc éditeur de scène, média, paramètres. Ah si, ça va être là. Ça va être là, ça va être là. Oula. Ouais, pourquoi pas. Alors, ah, l'instant triplet est désactivé. Mais pour. Putain, je l'ai pas réactivé après le. Mais ouais, punaise. Bon, est-ce que. Non, on va mettre 60 secondes. Vous voyez? Et en plus, je peux choisir si c'est stockage sur disque ou mémoire système. Avec 32 Go, je peux me permettre de laisser dans la mémoire système. Donc l'instant triplet, ça vous permet de capturer directement. Par défaut, ça se contrôle avec un raccourci clavier, mais si vous êtes en train de jouer, le raccourci clavier, c'est relou. Et en plus, voilà, même si vous pouvez faire en sorte que les raccourcis ne marchent pas dessus par rapport au jeu, c'est toujours un petit peu risqué. Là, vous avez un deuxième pavé à côté avec des boutons visuels et vous pouvez configurer, en l'occurrence, c'est ce que j'ai fait. C'est-à-dire que dans les paramètres, mes touches de raccourci, la rediffusion instantanée, donc l'instant triplet, c'est CTRL SHIFT S, ce qui est très dangereux parce que le contrôle me sert dans le jeu, le shift me sert dans le jeu, le S me sert dans le jeu. Donc si jamais je fais les trois, je peux m'amuser à déclencher des stockages d'instant triplet à la volée comme ça sans faire attention. Surtout que j'ai des gros doigts, donc ça peut arriver assez souvent. Alors que là, il faudrait que je change ce raccourci-là pour faire un truc où je ne risque pas de le faire de manière accidentelle. Et de toute façon, ça ne pouvait pas marcher parce que c'était désactivé, donc c'est cool. Et en fait, vous voyez que là, vous avez raccourci, j'ai configuré le contrôle majuscule S. Donc il faudrait que je le change. Mais je pourrais me mettre aussi des raccourcis pour afficher, par exemple, dans Firefox, les cartes. Alors, si vous jouez à PUBG, dans les. Comment? Je vais y arriver. Même sur le Erangel, alors pas la version classique qu'ils ont sortie récemment, mais la version remaniée qu'ils ont faite au fil des années. Et sur d'autres cartes, ils ont introduit le système de cache secrète. De salles secrètes où il faut que vous trouviez une carte d'accès ou un trousseau de clés pour aller récupérer du loot de bonne qualité, du stuff niveau 3, ce genre de choses. Et donc moi j'ai stocké des cartes où il y a les emplacements de ces caches-là. Donc quand on tombe sur une carte, c'est ou une clé, ça tombe pas souvent, hein, mais soit vous connaissez la carte par cœur et bon bah tant pis, mais tant mieux pour vous, mais si vous ne le savez pas, bah, je pourrais configurer un bouton pour m'afficher la carte dont j'ai besoin. Qui s'ouvrirait dans Firefox à côté de moi. À côté de mon jeu, par exemple.
plus rapidement que de devoir dire ok, j'appuie sur un bouton pour sortir le focus du jeu, prendre ma souris, aller cliquer sur mon dossier PUBG Maps là par exemple. Puis vous voyez là, il y a les différentes images avec les pillar location, c'était quoi? Ça, c'est les camions sur Destud. Ensuite, on a les emplacements de gliders sur Vikendi. Ouais, vous voyez, il y a pas mal de choses comme ça. Les gliders sur Rondo, ce genre de choses. Bref, vous pouvez configurer énormément d'actions, soit de manière intégrée, soit de manière un petit peu plus brute de décoffrage. De toute façon, sous Linux, on verra que c'est beaucoup du brut de décoffrage, hein, puisque c'est forcément un peu moins intégré. Il y a même un minuteur, ok. Et donc, il y a, voilà, vous avez des actions multimédia possibles aussi. Alors bon, comme moi, j'utilise la lecture intégrée dans OBS, je suis pas sûr que ça me servira à grand chose, mais voilà, c'est le genre de choses qui pourraient être paramétrées aussi. Et donc oui, pourquoi j'ai du mal à recommander, donc ça, j'en ai parlé sur Twitter il y a quelques jours, hein, sur mon profil. J'ai même fait un thread, mon dieu, un thread Twitter. Alors, où est-ce que c'était? Je ne sais plus, gna gna gna. Quand est-ce que... Alors, quand moi je parle, c'est pas beaucoup. Ah, voilà. Donc, en gros, comme je disais, avant... Je vais faire le ménage des fenêtres qui ne servent plus à rien. Ça, on n'en a plus besoin pour l'instant. Ça, je vais fermer aussi. Donc, dans tous les tutos que vous trouvez sur les 3-4 dernières années, ça vous dit installer le logiciel et commencer à manipuler OBS. Et le fait est que quand on installe l'application et que vous démarrez Elgato, vous avez un plugin qui s'installe et quand vous cliquez dessus, ça vous donne la version du plugin OBS et la version du plugin Stream Deck. Là, on se dit, tiens, c'est... C'est quand même bizarre. Et dans le logiciel, il n'y a pas l'intégration. C'est-à-dire que dans le logiciel, moi j'ai installé toutes les versions possibles et imaginables. Ça, c'était pas installé. Et quand on commence à aller dans les options du logiciel, alors je sais plus où ça va être là, non. Là, ici. Quand vous allez dans les options. Alors déjà, on a un truc qui s'appelle compte. Alors déjà, là, ça commence déjà ajouter un compte. On peut lier directement les comptes pour avoir éventuellement des contrôles supplémentaires. Genre là, je pourrais brancher mon compte Twitch et je pourrais manipuler des actions directement côté Twitch. Si éventuellement, il y avait un truc à contrôler côté Twitch. Ce qui n'est pas le cas. pareil pour YouTube. Et Streamlabs pour ceux qui veulent absolument se rajouter une dépendance supplémentaire pour leur stream. Et là, vous avez plugin et plugin, j'avais rien. Plugin, j'avais rien. Je dis ok, bon, bah dans ce cas-là, peut-être qu'il faut installer le plugin de manière indépendante. Et j'ai commencé à trouver des pages ou notamment des trucs sur Reddit qui disent bah oui, tu vas sur le site web Elgato, il y a un truc qui s'appelle une marketplace. Sur laquelle il y a plein de plugins. Effectivement, quand on clique sur le bouton, on tombe là-dessus. Marketplace Elgato. On cherche les plugins. Bon, là, c'est sélectionné pour Windows parce que je suis sous Windows, mais de toute façon, bon, voilà. Et donc, vous avez OBS Studio. Je vais ok. Et puis là, je vois Get. D'accord, pas de problème. Clique sur Get. Puis là, il se passe quoi? Ben voilà, il faut créer un compte. C'est gratos, et avant c'était intégré, et ils continuent de parler sur leur site à différents endroits d'intégration native avec OBS Studio. Non seulement ce n'est plus le cas, mais en plus, pour récupérer les fonctionnalités, vous êtes censé créer un compte. Alors, il se trouve que par la plus grande des chattes, au détour de mes recherches, avec lié à ce sujet-là, à un moment donné, j'étais à plus de 40 onglets d'ouvert, je pétais un câble.
Bah, dans les résultats de recherche, il y avait un lien, j'ai cliqué dessus et ça m'a téléchargé le plugin direct. C'était le lien direct vers le fichier du site d'Elgato, hein. C'était sur elgato.com, enfin, un sous-domaine de elgato.com, donc c'était pas. Ça vient vraiment de chez Elgato, mais il y avait le lien direct. J'ai dit, bah. Je connais pas la date, mais en même temps, je vois le domaine. Le lien avait pas l'air d'être un truc versionné pourri. Bon bah let's go hein. Et du coup un problème c'est que je sais plus non, version 2.2.5. Ah c'est quand même pas la dernière version que j'ai du coup. Ok. Bon c'est pas grave, pour les besoins ça fonctionne. Enfin pour les besoins que j'ai ça fonctionne. Et le pire c'est qu'en plus ça marche quand même alors que là ça dit que ça déconne avec la version 6. Enfin c'est dit que c'est fait pour la version 6.6. Bon, écoutez, hein. Je croise les doigts. Mais du coup, pas besoin de m'inscrire. Mais voilà, c'est vraiment. Je suis un peu. Chafouin. Là-dessus. Ça m'emmerde vraiment. Et ce qui est rigolo, c'est qu'en plus, voilà, j'étais tombé sur un truc qui se présentait comme logiciel open source alternatif. Mais quand il s'agissait de faire autre chose que de le compiler soi-même, il fallait créer un compte. Donc tout aussi problématique. Donc voilà. Du coup. Avantage. Enfin, avantage. Alors évidemment, ce logiciel n'existe que sous Windows. Et sous macOS aussi, je crois. Mais bref, de toute façon. Si en plus vous voulez vous servir de ce matériel-là en dehors de Windows, bah, ce ne sera pas avec des logiciels officiels. Et donc sous Linux. Je crois que j'ai le lien direct qui traîne là. Oui, voilà. Sous Linux, vous avez une application qui s'appelle Stream Deck. Alors, c'était Stream Deck UI, le projet original qui n'était plus maintenu, qui était forké, qui s'appelle maintenant Stream Deck Linux GUI. Donc, pour User Interface. Et donc, il va vous permettre de configurer vos boutons de votre Stream Deck. Et vous voyez que c'est beaucoup plus limité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de 50 types de boutons, etc. C'est soit vous lancez une commande, soit vous lancez une application, soit vous faites un raccourci clavier. Vous pouvez éventuellement configurer le système de page, et ça s'arrête là. Et donc, pour l'installer, il va bien falloir se faire des trucs. Donc manifestement, on a de l'UDEV, on a. Oh la vache. Ok. Ouais, faut être violent, hein. Et donc on peut trigger le truc. Ok. Ok. Alors. Et après on a Pipix, d'accord, et qui permet de faire le truc. Ok. Ok. Alors. Donc voilà, l'idée, ça va être de l'utiliser sous Linux. Alors l'avantage, c'est que c'est. Le logiciel est pas con, enfin pas chiant. Vous faites quitter et hop, l'appareil il reste branché, mais vous voyez, ah, voilà, il y a le petit logo Elgato. C'est pour ça que je dis qu'il n'y a qu'un seul écran LCD. Hein. C'est que le logo Elgato apparaît en fond, mais vous récupérez la main en fait sur le logiciel. Il n'y a pas de verrouillage particulier. C'est assez cool là-dessus. C'est vraiment, faut vraiment le prendre. Hein. Il n'y a pas de grosse intelligence dans le boîtier. C'est vraiment juste un affichage particulier pour des boutons dédiés. Donc voilà, ça demande. Et donc ce logiciel-là, il se base sur une autre bibliothèque. Alors est-ce que j'avais pris le dépôt Git ou pas? Non. Alors c'est pas grave, on va aller voir le dépôt GitHub. Le dépôt GitHub vous dit ça, machin. Vous voyez que c'est un fork, un drop-in replacement pour un truc qui n'est plus maintenu. Ça vous dit que ça se base sur une bibliothèque Python. Pour Stream Deck, cette bibliothèque elle est là et ça vous dit que ça supporte le Stream Deck original, le Stream Deck Mini, le Stream Deck XL,
Le Stream Deck Pédale, c'est vrai qu'il y a un Stream Deck Pédale. C'est incroyable. Comme son nom l'indique, c'est un pédalier avec je sais plus combien il y a de boutons dessus officiellement. Avec le pied, contrôlable au pied. Ah bon, ça c'est. C'est quoi ça? Contrôle tactile, à portée de pied. Donc il y a trois pédales. D'accord, ok. Ok, bon bah voilà. Donc ouais, c'est assez surprenant. Donc du coup, alors généralement on n'a pas besoin de le faire soi-même, parce que ça reste une bibliothèque. Ça c'est vraiment la base, hein. C'est la bibliothèque Python. Pour s'en servir, c'est quand même pas forcément la folie. C'est pour ça qu'il y a la version GUI avec l'application. Éventuellement, on peut s'en servir, on peut démarrer le service via systemd, de la même façon qu'en fait, moi, l'application Elgato, elle démarre avec le système. Hein. Donc l'installation n'a pas l'air très compliquée. Pour ça que ça vaut le coup de se le tenter. Par contre, par contre, comment dire? Comment dire? Il va bien falloir qu'on le passe à notre WSL2. Parce que c'est l'idée. Au départ, je me suis dit, bon, on va peut-être tenter un truc à base de. On démarre une machine virtuelle, on passe le périphérique USB à la machine virtuelle. Et généralement, ça marche pas trop mal. Et mon cerveau malade a décidé de se dire, tiens, on va le tenter de brancher sur le WSL2, ça va être rigolo. Et comment on fait? Et puis là, j'apprends que c'est pas natif. Me demandez pas comment, pourquoi. J'ai les liens qui sont cliquables dans l'aperçu. Pourquoi je me fais chier à faire copier-coller? Donc voilà, il y a un système qui s'appelle USB sur IP. Non mais vraiment, hein, je vous jure, hein, c'est où vous passez votre périphérique USB par du réseau. Voilà. Alors quand j'ai lu ça, j'ai dit non mais c'est très con. Mais ça a l'air de marcher. Alors pourquoi pas? Donc du coup. Du coup, je me dis, on va le faire. Et puis on va le tenter, on va voir ce que ça donne. C'est tellement débile que ça peut marcher. Alors, vas-y, installe-moi ça. Bon, parfait. Déjà, ça s'installe très très vite. Et donc il nous dit, voilà, gna gna gna, donc ensuite il nous faut un PowerShell en mode administrateur, d'accord, et qu'on va lister tous les périphériques USB branchés. Ok, bon, ben, on va faire ça. Est-ce que... Oui, je peux le faire. Je peux le faire. Parfait. Sinon, je peux pas me mettre dans... D'accord, c'est pas la même fenêtre. Qu'est-ce qu'il dit, gna gna gna, installer la dernière version de PowerShell. Pourquoi c'est pas installé avec Windows? C'est pas grave. Alors, la commande s'appelle USB IPD. Effectivement, si on fait liste, alors je vais zoomer pour que vous voyez mieux. On a quoi? On a périphérique d'entrée USB not shared. Ok, bon, je ne sais pas ce que c'est. USB vidéo, USB audio, ça, c'est ma. Comment? Ma capture de... Comment? Ma carte de capture, HDMI. La Streamcam, vous la connaissez. La G502, c'est ma souris. L'HyperX Cloud Alpha Wireless, c'est le casque. Le Quadcast, c'est le micro. Et donc, il nous reste 1,
Donc on a 1, 2, 3, 4 périphériques qui ne sont pas identifiés, qui sont des périphériques d'entrée. Il y en a un, c'est mon clavier. Il y en a un, c'est mon Stream Deck. Il doit y avoir la... Non, parce que c'est pas le dongle, donc il n'y aura pas la souris. Comment je peux avoir encore deux autres périphériques d'entrée en USB? C'est bizarre, ça. C'est très bizarre. J'ai que clavier souris. Ouais. Bon. C'est très bizarre. Il nous dit quoi? USB PCAP is known to be incompatible with this software. Bind-force will be required. Ok. Alors, je vais quand même... On va bricoler un truc. On va quand même aller dans le gestionnaire de périphériques. Essayer d'identifier notre Elgato. Alors, est-ce qu'il va être... Il va être où? Il va être dans quoi? Est-ce qu'il va être dans les claviers? Périphérique, clavier, PIH. D'accord, il me reste deux périphériques, clavier, PIH. Alors. Logitech Virtual Keyboard. D'accord. Périphérique d'entrée USB. Événement. Là, j'ai fait le bourrin. Hein. J'ai débranché mon clavier pour voir ce qui se passait. Et quand je le branche, j'ai deux périphériques. Donc, il y a un Logitech Virtual Keyboard. Ok. Donc là, c'est mon clavier. Bon, on va quand même tenter un truc dans ce cas-là. Enfin, si je le débranche, il dit quoi? Alors. Composant logiciel. Non, ça, c'est AMD. Là, c'est de l'audio. J'arrive pas à savoir où il va se trouver, le Gaïa. Ah putain. L'enfer. Ça, c'est les concentrateurs, donc c'est pas ça. Non, ça c'est... Ah! Oh putain, ça va être là-dedans. Oh mon dieu. Qu'est-ce que ça va être, ce truc? Non, là c'est 8 février. G502 Hero, ça c'est sur ma souris. Le Virtual Keyboard, non. Compliant headset, c'est quoi ça? Téléphonie, donc je sais pas ce que c'est. Oh punaise, je m'attendais à ce qu'on le voit directement dans le dans la liste, mais est-ce qu'il y a moyen que je le vois avec un autre logiciel un peu plus intéressant? Oh la vache. Alors, qu'est-ce qu'on a? Port USB.
Alors, Elgato System port 9, PID 0,60. Ah, peut-être qu'on va savoir. Du coup, ce serait quoi? Bus 3,9, 0,060. Oh, ça me plaît bien ça. PID 0,060. Donc, c'est le premier. Donc, on a le 3, 3-9. Il faudrait qu'on fasse un bind, bus ID. Ok, alors. C'est ça, donc on a besoin du WSL. On a besoin du PowerShell en mode admin pour faire le bind-force. Ok, donc USB IPD. Donc on a dit que c'était bind-force 3-9. Non, c'est bind-force-busid 3-9. Là, je suis shared. Ok. Et effectivement, je ne le vois plus. C'est-à-dire que là, enfin, là, il est toujours branché, mais il apparaît comme éteint. Ça veut dire que là, si jamais je tente de lancer comment le logiciel Elgato, il me dira qu'il n'est pas branché. Et donc maintenant, je peux l'attacher à mon WSL. Et donc là, je remets mon 3-9 là ici. Ah, quoique non, j'ai plus besoin de le faire. Ah oui, donc je peux le faire avec mon. Avec une commande PowerShell standard. Du coup, c'est ce que je vais faire. Voilà, là, je suis dans mon truc. Donc du coup, je fais un USB IPD. Oui, ben je. Bon, déjà, je rezoome pour vous. Hop, voilà. On a dit que c'était 3-9. Et donc là, j'ai entendu, vous l'avez pas eu, mais j'ai entendu comme si il avait été débranché de mon Windows. Donc il me dit que là, maintenant, il est censé l'avoir rajouté à Ubuntu 22.04. Voyons voir ce que ça dit. Et là, j'ai effectivement le Elgato System Stream Deck. Avec l'ID 0FD090060, donc on est bien sur celui-là. Il me l'a branché sur le 012. Alors, je vais regarder quand même ce qu'il m'a dit sur le. Oula! Ah oui, non, c'est. Je suis pas sur le même ordi là. Hop! Alors, qu'est-ce qu'il nous a dit? Login session, machin, etc. Donc là, on voit qu'il s'est passé quelque chose. C'est-à-dire que il y a une connexion à WSL2 en route qui s'est créée. Derrière, il a fait un VHCI, HCD, je sais pas trop ce que c'est. Device attach. Et là, on voit de l'USB qui passe. Derrière, invalid code, machin, ou ça. Ces codes-là, j'ai eu les mêmes sur ce invalide code machin, j'ai eu le même sur quand je l'ai branché sur mon laptop. Donc on est sur le bon. Et on est sur un HID générique avec un input et il m'a bien créé un device. Ok. Donc on est pas mal. On a la base. Il est reconnu par notre WSL2. On va regarder comment faire l'installation du coup maintenant de. Alors, il nous dit qu'il vaut mieux avoir ces trucs-là d'installer. Du coup, on va les installer. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, donc on cherche à installer libhid API, libusb 0 et pipix. Et pour tout ça, il va nous installer mkdoc, Node.js. Notre jQuery, d'accord. Python Babel Metadata, Python machin.
Python 3 live reload, Python 3 markdown, Python 3... Ok. Bon, ceci dit, j'ai rien d'installé, moi, quasiment, hein, dans le WSL2, là-dessus. JavaScript common, font awesome, font lato. Highlight.js, d'accord. Je vois pas trop pourquoi il y a besoin de ça. Mais bon, pourquoi pas. On a Jinja 2, ça c'est intéressant aussi. Pour les versions 2.06, c'est Bilo, sauf qu'on est en version 4. Point machin, hein, il me semble. Hein. Oui, donc voilà, donc ça ne concerne pas. Ensuite, ensuite, il nous dit qu'il faut qu'on crée le fichier. Et donc là, normalement, 0fd9. Et là, il n'y a pas le... Dans les ID, il n'y a pas le nôtre. Dans les ID, c'est 0.60, hein, on est d'accord. Il est où mon LS USB? 0060. Ah! Et là, si, 0060, c'est le premier. Putain, je suis con. Oh là là. Ok. Donc, du coup, on a ce truc-là. On va. Alors, il l'a mis où? Wget-o. Ouais, parfait. Allez. On va pas s'embêter à retaper. On va récupérer le fichier. Voilà, voilà. Et du coup, on fait un sudo udvalm trigger. Là, j'ai rien de plus là-dedans. Ouais, alors là, le problème c'est qu'il nous dit si on a des problèmes plus tard pour détecter le Stream Deck, tu peux unplug et replug. Oui, alors comment dire Voilà quoi. Alors là, j'ai un peu peur de faire ça directement depuis le système. Si on installe avec Pipix. Bon allez, let's go. Hop. On verra bien ce qui se passe. Ah, qu'est-ce qu'il nous dit? Là 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 là. Error from pip prevented installation full pip output. Et donc là, il nous a mis un log là. Ok. Pip fail to build package evdev parce que manifestement, il n'a pas réussi à builder un truc parce que potentiellement, il lui manque encore une dépendance. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Collecting string d'UI, d'accord. Collecting Kero SVG, d'accord. Gna gna gna. Collecting EVDEV, ok, pas de problème. Donc là, il récupère un truc entre 1.6.1 et 2.0. Donc il a récupéré ça. Ensuite, il a récupéré. Hop, il récupère d'autres dépendances. Là, Eagle. Eagle sur le building wheel for EVDev, d'accord. C'est ça, donc là il cherche un Linux input event code missing. Donc il nous manque certainement, voilà, Ah putain, il nous manque les headers du noyau, mais c'est les headers de WSL2, je fais comment moi? WSL2, kernel headers. Ah putain. Bon, eh ben, pas de WSL2. Merde. Oh. Trop simple.
Non, mais ça, c'est... Ok, qu'est-ce que c'est que ce truc? Utiliser Darwin, in the WSL, build motor, ok, gna gna. Download, compile and install a modified WSL kernel. Ah ouais, non. Ah non, pitié. Punaise. Bon, eh ben, pas WSL2. Putain, c'était trop simple. Alors, est-ce que à tout hasard... Ouais, bah oui. Hein. Si j'enlève WSL2 et que je mets WSL, personne n'a tenté de le faire. Forcément, j'étais trop con. Du coup, tiens, j'avais gardé Steam ouvert. Hop. Alors, j'ai gardé Telegram aussi ouvert. Non, mais dis donc, c'est la fête ce soir, j'ai rien nettoyé. Comment on va contourner? Comment on va contourner? Comment on va contourner? Est-ce qu'on se démarre pas un... Alors déjà, je vais faire un truc, c'est que du coup, j'ai plus besoin de... Hop. De faire ça. Donc là, normalement, il a dû me dire... Voilà, USB disconnect. Si je reviens là-dessus et que je refais un USB PD list, je ne vois plus mon Elgato. Par contre, il y a un persistite qui apparaît là. Ah, il va me faire chier, lui. Parce que potentiellement, il faut que je fasse dans la console administrateur. Si je fais un... C'est quoi? Unbind, un truc comme ça. Il détache. C'est là. J'avais peut-être fait comme ça. Là, si je fais ça. Ok. Je l'ai entendu. Ouais, c'est ça. Donc, il faut que je le... qu'est-ce qu'il y a? Détache, tiret... tiret bus ID, qu'est-ce qu'il nous dit? Ah oui, pardon. Okay. Ah oui, d'accord, donc là en fait c'est juste on n'a plus qu'à... c'est quoi? C'est unbind ou un truc comme ça? Ouais, il faut que j'enlève le tiret force. Voilà, et donc du coup là, si je redébranche comme il faut, que je rebranche,
Ok, là ça a été beaucoup plus vite, donc à mon avis, du coup. Là, si je relance le logiciel Stream Deck, c'est bon, j'ai récupéré ce que je voulais. Parfait. Ok. Je vais refermer le logiciel parce que j'ai autre chose de prévu. On va sortir VirtualBox. J'ai un Ubuntu dessus, mais c'était quoi, un Ubuntu serveur ou un Ubuntu client? Je me souviens plus. Mémoire vidéo 128 mégas. Accélération 3D, bureau à distance désactivé. ICH9, 8 Go. Bon, je le lance, on va voir ce qu'il dit, hein. J'avoue que je me souviens plus du truc. On avait un bureau. Sauf que je me souviens plus du mot de passe. Non, c'est pas vide. Oh! Bon, bah, je m'en souviens plus. Voilà. Je vais le dégager. On va le refaire. Est-ce que j'ai un ISO sous la main? Est-ce que j'ai gardé un ISO Ubuntu? Alors, non, ça, c'est mes tentatives de téléchargement. Hop. Non, Flatout, ça, c'est un vieux jeu. Je vous en parlerai peut-être un jour pour la blague. J'ai plus d'ISO, hein. Bon, c'est pas grave. Hop. Allez. Pire, c'est. Dans la doc d'installation, on a quoi? On a. Si je prends Arch, Arch Plasma, Arch Cinnamon, on a directement le paquet AUR. Bon, vous savez quoi? On va faire un flemmard. On va lui dire que c'est un Arch Linux. On va chercher Manjaro. Get Manjaro, x86-64, XFCE, full image, non pas full image, minimal image, voilà. Tirer l'historique. Ah, putain, minimal et ça fait 2,5 Go. Ok, ouais, bon, pourquoi pas. Ranger ça, stockage, on va se mettre le. Allez, tu sais le faire. Ah, on n'est pas loin d'être au max là. Ouais, c'est pour ça. Alors, au max, c'est parce que je peux pas être plus. Hein. J'envoie déjà, je sais quoi, c'est quoi, 6 mégabits seconde? J'ai 30 et quelques de capacité, parce que j'ai que 300 mégabits seconde sur ma connexion. Parce que je suis chez Zosh, dur à dire.
Donc du coup, je peux pas télécharger beaucoup plus vite quand je suis en stream, parce que je pompe déjà une partie de la capacité. Hop, alors. Paf, paf. Diskfile, Manjaro. Ok, allez hop, on va démarrer ça tout de suite. Bref, moi c'est une notification de merde. Hein. Alors. TZ, Europe. C'est pas très grave, mais c'est pas le temps que ça prend. Paris. Quétable. Quétable FR. Langue. Français. France. Open source driver. Normalement, ça devrait suffire. On va se réinstaller Viteuf, hein. Viteuf un Manjaro, et après je vais vous montrer comment on passe un périphérique USB, mode d'intégration, je sais, fait pas chier. Tu sais le faire. Alors, nous voulons du français, tout à fait. Europe Paris, français France, français default, parfait. Générique, effacer disque. Swap dans un fichier, parce qu'on est foufou. Emplacement de démarrage, master boot record, oui, parce qu'on n'est pas en EFI. Parce que le FI, c'est un peu la misère. Paf, paf, mon nom. Hop. Le nom, c'est VirtualBox. Le mot de passe, on met de la merde. Démarrer la session sans demander de mot de passe, oui. Utiliser le même mot de passe pour le compte administrateur. Parce qu'on s'en bat les couilles. Et on installe. Hop, allez. On va le laisser refaire tout l'install. Juste voir vite fait combien ça prend là sur le... Alors on voit qu'au niveau graphique, ça tabasse un peu. Hein. Ça bosse. Ça bosse, ça bosse. Sur le proceau aussi, hein. Putain, on est à 50% là. La mémoire, bon, ça va, encore 10 gigas, mais du coup, au niveau processus... Au niveau processus, c'est Firefox qui prend la max. Je sais même pas pourquoi. Qu'est-ce qu'il prend? Qu'est-ce qu'il prend? Lui, il nous dit 57%. Accessoires streaming. Ah non, c'est Twitch. Le process de Twitch me... La lecture vidéo de Twitch me prend du... Si je coupe ça, du coup... Ah ouais, j'ai coupé l'aperçu vidéo, ça a baissé un peu quand même. Hein. D'accord. Ok, ok. Et du coup, au niveau du gestionnaire de tâches... Hop, ça a baissé à 5%. Ah ouais! Pourtant, l'aperçu, il est en... Ah bah non, l'aperçu, j'ai pas de réencodage, parce que je suis pas affilié ni quoi que ce soit, donc je lis forcément la max. Mais je l'ai à côté, à gauche, là, donc en fait, l'aperçu me sert à rien. À part me dire, je suis bien en stream, c'est complètement con. Bon, bah ça marche pas. Ok, qu'est-ce qu'il nous dit? Il est encore en train de décompresser la deuxième image, il a bientôt fini... Ouais, ça va, les dernières actions. Passion de l'initram FS, c'est le... Comment ?
C'est le noyau de démarrage, enfin l'image de démarrage pour le noyau. Ça, c'est relativement rapide normalement, mais après, comme c'est la première, peut-être qu'il chatouille un peu. Ça, c'est censé tabasser le prosso normalement. Ouais, et encore. Oh, ça. Il mouline quand même, hein. Ah, j'avais pas vu que mon GPU intégré il prenait. Ah, mais j'ai. Ouais, je sais pourquoi. J'ai. OBS Studio. Mais du coup, c'est lui qui doit être en train de. De bombarder. Allez! Il fait quasiment plus rien là. Ah, j'ai mis accès par pont, j'ai même pas fait gaffe, du coup j'ai une. D'accord, ok. Redémarrer maintenant, non, puisqu'on va faire éteindre, mais est-ce qu'on va reconfigurer le. Quoique si, on peut redémarrer tout de suite une première fois. Comme ça. Est-ce qu'il va démarrer du disque dur normalement? Non. Éteindre la machine. Éjecter. Démarrer. Allez, tu sais le faire. Là, je vais faire un premier démarrage dessus pour vérifier que tout est bien comme il faut et après, let's go. Ok. Il est en français comme on a demandé, ça c'est bien. Émulateur de terminal. Hop, on est bien sur du VirtualBox. On est sur le. On est à jour de chez à jour. J'ai. Ah ouais, il n'est pas installé. Hein. J'ai l'habitude d'utiliser ça, moi. Ouais, ok. Parfait, parfait, parfait. Du coup, périphérique. Est-ce que je peux lancer directement un périphérique USB directement à partir de là? Normalement, oui. Elgato Stream Deck. Alors, c'est là. Je l'ai entendu débrancher de Windows. Le Elgato apparaît sous Linux. Bon, ben voilà. On va se refaire. Est-ce qu'on a besoin? Non, on se fait directement l'installation du paquet, c'est ça? Si je vais sur. AUR.archive.org que je cherche et Stream Deck UI. C'est la version 4.1.2. Ça va sur le GitHub Stream Deck Linux GUI. Parfait.
Ça récupère un fichier Elgato, la source, le desktop. Dans les sources, on a le fichier UDF, donc a priori. Ok, donc là, il y a I'm sorry, but this code no longer works and out of date, I'm sorry, machin, but it's waste of user time to download broken code. Ok, donc là, il y en a qui sont pleins, nia. Package is in line with upstream, I am reprocessing, machin, I'll try to work on this today. Ok, donc manifestement, il y a eu des erreurs un peu récentes. Au mois de février, il disait qu'il manquait une dépendance. Est-ce que dans les dépendances, on a EVDev? Oui, parfait. Par contre, on voit qu'il y a des trucs qui manquent. Le Python Elgato Stream Deck d'AUR, d'accord. Python Installer, ouais. Python Poetry, d'accord. Ok, bon. On a quand même la plupart des paquets sont quand même dispo de base normalement, donc ça devrait aller. Ouais, ça je sais pourquoi. En fait, il faut réinstaller le paquet. En fait, ce qui s'est passé, c'est que récemment, on a eu une montée de version de Python sur Arch Linux et donc Manjaro. Et du coup, en gros, quand vous installez les paquets, ils sont installés pour une version de Python en cours. Et quand vous avez une montée de version de Python, bah, tout est dans un nouveau dossier. Et du coup, bah, votre ancien paquet ne fonctionne plus parce que votre ancienne installation ne fonctionne plus parce que vous n'avez plus la version de Python qui correspond. Ça, c'est un des points, entre guillemets, particuliers de Arch Linux, en partie, notamment avec Python, c'est que dès que vous avez une montée de version, et j'ai vu le tour dans le passé avec du Ruby, il me semble qu'à l'époque, c'était WP-Scan qui m'avait fait chier avec ça, c'est pour ça que j'ai fini par le lancer dans Docker. Et que en gros, dès qu'il y avait une montée de version, tout était pété, il fallait tout réinstaller, et on reprenait à chaque fois de zéro. Là, normalement, on a juste besoin de faire ça, tiret S, et il s'appelle donc Stream Deck UI. Paquet à nettoyer, clean build, on s'en fout. On s'en fout, on les a jamais téléchargés. Donc là, il récupère les sources, parfait. Il nous demande si on veut supprimer les dépendances nécessaires à la compilation. Je fais toujours oui et ça se passe toujours bien. Donc normalement, ça devrait se passer. Là, il installe. Il installe quand même pas mal de choses, hein, putain. Il y a des dépendances optionnelles. Ok, donc là, il mouline les trucs. J'ai zoomé ou pas? Ah ouais, putain, faut. Alors. Je peux pas zoomer là? Affichage? Si, zoom avant, contrôle plus. Là, c'est petit pour vous, hein. Alors là, il est en train de gueuler. Alors pourquoi il gueule? Cannot find the fake root binary. Ah. Est-ce que ça s'appelle? Oh, le copier-coller qui marche directement entre les deux. Ok, d'accord. Donc on a base d'eval qui manque. Donc là, si je fais un yay. S base d'eval. Je vais avoir fake root dedans. Ok, ouais, donc c'est ça, il manque des paquets liés à. Et donc du coup, si je recommence ça. Hop. Il revérifie tout. Il réinstalle tout. Ok, cette fois ça gueule plus. Ok, cette fois ça a mouliné. On installe Elgato Stream Deck. Ensuite, le Stream Deck UI, on en parle. Il a créé le wheel. Il a installé. Il a fini. Du coup, on a
une application Stream Deck UI. Il a vu le Stream Deck original. Et effectivement, il est tout noir. Il y avait le logo Elgato qui était affiché. Et là, le logo n'est plus affiché. Donc du coup, on va tenter. On va tenter un truc. Alors, le problème, c'est que j'ai pas d'image, là. On peut mettre une couleur. Ah. Oui. Ça marche. Ça marche, ça marche. J'ai la couleur bleue. Ça fonctionne. Label. Label Toto. Alors, oui, vous allez peut-être pas le voir, vous, avec la lumière. Si, vous voyez le texte un peu, c'est un petit peu... Mais voilà, j'ai mis du texte. Toto, il y est. Non, en vrai, on peut faire quelque chose d'un petit peu plus... Alors, placement. Ordinateur, ça va être user. Lib. Firefox, ça va être dans quoi? Distribution? Non. Browser? Defaults? Préférences? Non plus. Putain, elles sont où les icônes par défaut dans... c'est où? User share icons, évidemment. Ça pouvait pas être plus simple que ça. Ok. Alors, du coup, on a quoi? Default. Il n'y a rien en default. Ça va être dans quoi, alors? Manjaro. Green. Non, ça, c'est le logo Manjaro. Papyrus. 128 par 128. Apps. Si on va chercher Firefox, il y a quoi dans... Putain, il y a beaucoup trop de... Fish, firmware, Firewatch, Firefox. C'est du SVG, ça va pas être... Oh putain, ça passe! Oh, ça passe! Si je fais ça, et donc là, la commande... ça va être slash user, slash bin, slash Firefox. On peut changer la police si on veut. Comment ça marche? Ok, d'accord. Les boutons permettent de changer l'emplacement. Et donc là, si j'appuie dessus, commande fail to execute. Parce qu'à tous les coups... voilà, il n'y a pas de... Comment ça, il n'y a pas de Firefox? Ils ont viré Firefox? Mais c'est quoi le navigateur, alors? Oh putain, il n'y a pas de navigateur web par défaut. Ah, d'accord. Ok, ok. Donc, si on veut Firefox, vite fait... C'est quoi? C'est Firefox, Firefox i18n.fr, c'est ça? On va prendre ça directement. Si on fait copier, on fait ça. Il va nous dire que... Il a besoin de Firefox en dépendance, parfait. Non, c'est Twitch Firefox, donc cette fois, user bin Firefox, et si j'appuie sur le bouton, Firefox démarre. Et ben voilà. Donc ça fonctionne. Alors ça ne fonctionne pas dans WSL, parce qu'il n'est pas question de, du coup, de... Oui, non, on sait, gna gna gna, c'est bon, commencez la navigation, pitié. Donc, je disais, du coup, dans un WSL2, pas possible, à moins de bidouiller son navigateur comme un furieux. Et c'est peu de le dire. Sinon, vous voyez, alors là, je l'ai testé sur
Sur Manjaro, il fait automatiquement le travail de créer le paquet. Là, on avait le fichier, c'est quoi? C'est udev, non? Dans rules.d. Ah, il a même pas de règles. Comment ça, il a pas de règles? Donc, il n'y a pas besoin de créer de règles sur Manjaro. Alors, du coup. Quand on a branché le Stream Deck, il nous a dit quoi? Bah non, il nous a dit la même que les autres. Mais là, il considérait qu'il n'y avait pas besoin de créer de règles. De règles UDEV. D'accord. Ok. Du coup, comment ça se passe? On a quoi? Brightness, autodimme after 30 minutes, 30%. Page 1, page 2, j'ai pas l'impression qu'on ait la notion de profil. Ah si, ok, d'accord. Ok. Ok, donc ça s'appelle des états. Donc dans l'application Stream Deck UI, on a le concept d'état. Et donc les états, ça correspond au profil sur le comment? Sur l'application Stream Deck d'origine. Et on peut créer des boutons qui permettent de switcher d'état. Donc par exemple, si je me dis si je lui dis là, ici, je vais juste mettre un label, hein. Mais profile tout. Background. Rose. Il l'a pas pris. Pourquoi il n'a pas voulu le prendre? Et donc là, mes profile 2. Là, si j'appuie dessus, il switch de state. Ah, il m'a gardé le bouton Firefox sur le. Non, on est d'accord, hein. Oula, ça a pas l'air. Ok. Oh putain! Ah ouais, non, ça va pas cette histoire. Vas-y, vire-moi le. Oula, c'est très bizarre comme. D'accord. Ok, ça a l'air chelou, il y a l'air d'avoir des conflits entre 0, 2, machin, donc ça n'a pas l'air parfait, j'ai l'impression. Bon, on peut créer plusieurs pages, ça c'est peut-être un peu plus fiable. C'est quoi ça? Rendering CPU, d'accord, bon, on s'en fout. Ici. Page 2, admettons que. Sur la page 2, je fasse un coucou comme ça. Ok. Et qu'ici, je dis break. Je dis switch to page 1. Et que là, je mette live switch to page 2. Si je fais ça, j'appuie sur print. Ok. Là, j'ai le coucou. J'appuie sur précédent, ça marche. Oui, donc. Bon, le. Ah, je verrai plus tard pour les profils. Ça n'a pas l'air d'une fiabilité monumentale, mais. Le switch de page fonctionne. Et vous voyez, du coup, c'est forcément. Donc, c'est soit vous lancez une commande. Soit vous lancez un raccourci clavier. Donc, on est quand même beaucoup plus limité dans l'application Linux que l'application Windows. Ça demande beaucoup plus de bricolage, du coup.
Après, bon, voilà, c'est quand même mieux que rien, ça marche bien. L'alignement des boutons est bien respecté, il n'y a pas de souci. Donc bien quoi. Bien, bien, bien. L'installation sur Ubuntu, je m'attendais à ce que ce soit quand même plus straightforward que... Parce que dans la doc, hein, on voit bien qu'en fait, là, vous dites, vous êtes sur Arch Linux, vous installez ce paquet-là. Bon, on a vu qu'il manque quand même 2-3 dépendances, hein, c'est quand même pas la folie. Mais c'est assez rapidement pris en compte. Si vous êtes sur Ubuntu, vous êtes obligé de le faire bah, à la main, en fait, hein, finalement. Bon, c'est quand même packagé, mais il faut le faire à la main. Sur CentOS, ça va être la même, j'ai l'impression. Faut installer du EPL, il faut installer Python 3.8 pour CentOS 7 et 8. Donc, il faut un 3.8 plus, ensuite il faut du pip. Ensuite, il faut créer un... Ah putain, la vache, Sur Fedora, c'est à peine mieux, c'est ça? Sur Fedora, au moins, vous avez la version de Python plus récente. Ouais, c'est à peu près la même partout, hein. C'est-à-dire que vous avez la même... Vous avez le même système d'installation de package. Quoi que là, avec pip, vous pouvez faire directement Stream Deck Linux GUI User. Ah. D'accord. Ok. Et après, c'est quoi systemd? Une fois qu'on a un Stream Deck installation qui fonctionne, on a peut-être envie d'avoir le systemd user service. Ce qui est vrai. Ce qui est vrai, ce qui est vrai. Ok. Et donc, du coup. Ah oui, donc il y a le service qui fonctionne en. D'accord, ok. Et après, on n'a plus qu'à faire systemctl user. D'accord, ok. Bon, ben voilà. Ma foi, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Donc vous voyez, hein, pour passer un périphérique USB sur VirtualBox, ça va bien. On a vu que finalement, passer le périphérique virtuel USB sur le WSL2. Ah, c'est ça! Je voulais revenir là-dessus, c'est vrai. Ça tombe bien, il nous reste un quart d'heure. Donc finalement, le USB IPD, moi je suis surpris, mais ça fonctionne. Ça fonctionne. On a vu qu'il fallait que quand même j'utilise une petite un petit truc tiré force. Pourquoi? Parce que j'ai du. Comment? Alors c'est dans la. Voilà, c'est ici. J'ai l'USB PCAP d'installer. USB PCAP. C'est pour faire de la capture de périphérique USB avec Wireshark. Voilà. C'est pas. Mais comme là, il n'est pas démarré, on s'en fout, ça risque pas de rentrer en conflit, c'est pas un souci. Mais ça marche très bien. Donc, à part le fait que c'est un peu la galère, qu'il n'affiche pas correctement forcément les périphériques et que du coup, on est obligé de bricoler un petit peu pour identifier son périphérique d'entrée, ça va vraiment bien. Ça va vraiment bien. Et donc du coup, là, tout à l'heure j'ai galéré, mais en fait je suis con, hein, j'aurais pu directement le débrancher, faire le USB IPD list, voir qu'il n'était pas là, et... Bon, c'est pas là. Bref, donc ça marche bien. Et donc ce que je voulais faire, donc au départ c'était l'installer donc là-dessus, et donc avoir une application graphique, et dans laquelle il fallait que je tape. Il fallait que je tape des choses et là typiquement je peux le faire en direct. Je lance Firefox. Donc là on est dans mon WSL. Alors là c'est toujours lent du cul, ça l'a toujours été. Le premier lancement surtout. Certains diraient devineraient pourquoi. Pourtant, ils étaient censés avoir accéléré les choses, mais voilà. Et donc là, si j'appuie sur le A, bah voilà, vous voyez. Je tape un Q. Et si j'appuie sur le Z, c'est un W. Donc vous voyez où je veux en venir. J'affiche QWERTY.
Et là où je voulais en venir par rapport à la philosophie de Microsoft avec le WSL2, donc si vous... Au niveau du fonctionnement et de l'interaction entre la, du coup, ce qui est une machine virtuelle, hein, techniquement, et comment? Et le système, l'hôte, et bien en fait, il y a beaucoup de choses qui passent par le réseau. Typiquement, là, ça doit être marqué Linux, mais en fait, dans la pratique, c'est WSL.localhost. C'est du réseau. Vous passez par du Samba pour accéder à vos fichiers dans le WSL depuis l'explorateur. USB IPD. On raccorde un périphérique USB à WSL par du réseau. Et bien pour les applications graphiques, figurez-vous que c'est pareil. C'est très contre-intuitif dit comme ça. Depuis qu'ils ont introduit, un truc qui s'appelle WSLG. Et du coup, en fait, vous avez un point de montage qui s'appelle WSLG. Et là, vous voyez un truc qui s'appelle Weston. Donc Weston, c'est un compositeur Wayland. Donc en fait, il vous démarre un serveur Wayland dans lequel vont se démarrer ces applications-là. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait... Ah oui, hein, si je le cherche en majuscule, ça va pas se faire. Pitié. C'est là où c'est très compliqué. Donc là, il me dit, voilà, il y a tel clavier, il a détecté tel clavier. Convert RDP Keyboard. Donc en fait, ils font du RDP. Sur la session, le RDP, c'est le protocole, c'est le Remote Desktop Protocol. C'est le protocole d'accès à distance de Windows. Ils utilisent ce protocole-là pour se connecter au Weston, pour vous afficher la fenêtre de l'application en mode intégré dans Windows. Et là où je galère, c'est qu'en fait, normalement, il aurait dû prendre mon clavier français, il aurait dû le détecter et il aurait dû le convertir. Là, ce qu'on voit, c'est qu'il dit que bon, il a trouvé que c'était un PC 105. PC 105, ça veut dire l'agencement standard que vous connaissez, avec toutes les touches AZERTY, machin, etc., les touches de fonction, les claviers et même le pavé numérique. Bon, moi, le clavier n'a pas de pavé numérique, mais comme c'est le même agencement pour le reste des touches, bah, on s'en fout. Le fait qu'on puisse pas taper sur les touches, c'est pas un problème. Sauf que le layout. Donc l'agencement du clavier, là normalement je devrais voir FR. Un bout de variante ou pas et des options ou pas, ça c'est pas forcément nécessaire. Mais le layout ici, normalement je devrais voir FR. Et là j'ai rien. Ce qui veut dire que par défaut, il va prendre le clavier US et donc QWERTY. J'en ai chié. J'en ai chié pour trouver la solution. Je n'ai pas de solution persistante pour l'instant. Mais j'en ai trouvé une. Et elle est violente. Hein. Alors déjà, je vais fermer hop, Firefox parce qu'il va. Il faut qu'il soit déconnecté. Il faut se connecter en tant que root dans le système WSL, donc la partie qui lance Weston en pratique. Pourquoi en root? Parce que si on rentre dedans en tant qu'utilisateur, on est bloqué. Ce système-là, il est éphémère. En fait, il est réinitialisé à chaque démarrage à partir d'une base. Mais si on va dans Home WSLG et on a un dossier .config. On a un fichier qui s'appelle weston.ini. Vous voyez que le weston.ini il appartient à root. Donc on ne peut pas modifier ces paramètres-là. Et en fait, là-dedans, on peut forcer un mappage de touches. Et du coup, je me l'étais noté de côté. Ça va être là-dedans. C'est ça.
Je m'étais noté les commandes. Donc on force le... En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'utilise un agencement custom de clavier sur mon Windows. J'utilise l'agencement FROSS. Est-ce que y a un site web? Alors, il est peut-être dans mon jeu Plin, je crois, je l'avais gardé. Ouais, c'est ça. J'utilise cet agencement-là. Qu'est-ce que ça fait cet agencement-là? Ça me permet sous Windows d'utiliser mon clavier avec le même comportement que sous Linux. Que ça veut dire? C'est que si je me mets, bah, typiquement, hein, je prends l'exemple de... Là, si je veux taper un E majuscule, un E majuscule accentué, par exemple, un E accent aigu majuscule, en français, c'est correct d'un point de vue typographique. Ben, là, réfléchissez comme ça, à essayer de le faire sur un clavier Windows standard. Je vous laisse quelques secondes, vous allez comprendre que, en fait, ben non. Parce que sur un clavier standard, quand on fait Shift, ça fait le 2. Mais quand on fait Caps Lock et qu'on appuie sur 2, bah sur un Windows standard, ça fait 2. Moi, quand je fais ça, j'ai mon E accent aigu. Majuscule. Et je peux faire la même chose avec le A, je peux faire la même chose avec le CCD. J'ai le E accent grave aussi. Je sais plus si j'ai le U majuscule, voilà. Le U majuscule accentué, ça marche aussi. Donc, voilà, les caractères accentués majuscules, ça fonctionne. Je peux tenter le i tréma majuscule, ça fonctionne. Bon, ça encore, c'est facile, c'est faisable aussi, parce que c'est du composé. Mais les touches accentuées que vous avez en minuscules sous Windows, bah, avec le clavier FROSS, vous pouvez l'avoir en... Comment? De manière native sous Windows. Mais du coup, le problème, c'est que Wayland ne le détecte pas comme il faut. C'est un agencement custom, du coup, il ne le connaît pas. Donc, vous êtes obligé de lui fournir, de le forcer. Pardon. Et donc, si on revient, c'est là-dedans. On peut faire ajouter au fichier. Donc là, maintenant... Si on refait le Weston 4, on a rajouté le KeyMapLayout.fr à la variante OSS, parce que c'est ce que je veux. On peut dire au processus Weston de recharger sa configuration parce qu'il supporte via le signal HUP. Alors, faut pas avoir peur parce que la commande s'appelle pkill, mais en fait, on dit HUP et le process s'appelle Weston. Et là, normalement, si je retourne dans mon installation d'Ubuntu, que je relance Firefox. Donc il va me redémarrer une session. Machin. Et là, vous voyez que Firefox démarre tout de suite beaucoup plus facilement. Mais là, voilà, je tape AZERTY et j'ai AZERTY. Et donc le problème, bah, c'est que ça, c'est pas persistant. C'est-à-dire que on shut down le WSL2, on le redémarre. On repart comme au début. Parce que le démarrage WSLG, là, dans lequel on accède via tiret-tiret système, et il est en... c'est un système éphémère. La solution pour contourner ça, je me le garde de côté pour un prochain live. Je l'ai mis de côté, mais en fait, on peut builder son propre WSLG. Son WSLG. Et donc on peut lui passer, parce que là vous voyez, on a le weston.ini qui est là. Bah en fait, on peut modifier le weston.ini, rebuilder le WSLG et l'utiliser de manière custom. Alors le problème, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une mise à jour de ce truc-là, bah, vous êtes obligé de refaire la compilation pour être sûr de ne pas avoir de problème et de bénéficier des mises à jour. Donc c'est un peu pénible. Mais c'est tout à fait faisable. C'est tout à fait faisable. Donc,
Peut-être. Peut-être que par principe, je testerai pour dire de rajouter la config pour plus avoir à me faire chier. Comme ça, je peux gérer des applications graphiques directement là-dedans. J'avoue que ça me tente bien. Parce que là, quand même, c'est quand même un peu pénible, hein, on va pas se mentir. C'est un petit peu pénible. Mais ce ne sera pas pour ce soir, puisqu'il est 23h et que c'est fini. Et que je commence à avoir les yeux qui piquent, donc je pense que je vais pas tarder à aller. Ça va être très court ce soir. Je vais peut-être pas tarder à aller me coucher. Sur ce, qu'est-ce que je pourrais dire? Donc oui, voilà, je me suis trouvé un nouveau sujet pour un prochain live. Qu'est-ce que... Bon, pas de WSLD. Tant pis. Non, ça vraiment, faudrait recompiler le noyau et tout le bordel, c'est... Recompiler le noyau, éventuellement, j'en parlerai un jour quand on essaiera de faire du psyllium. Donc psyllium, c'est du réseau pour Kubernetes. Dans un Kubernetes qui sera déployé via Docker dans WSL2. Donc je laisse imaginer un petit peu le niveau de poupée russe que ça donne. Parce qu'en fait, le noyau par défaut de WSL2 permet pas d'utiliser Cilium comme il faut. Il faut recompiler le noyau. Je l'ai fait sur le PC, sur mon PC client, parce qu'on est obligé de travailler sous Windows. Qu'est-ce que voilà. Puis après, bah sinon, j'ai toujours plusieurs autres sujets. Après, si vous avez d'autres idées, hein, voilà, n'hésitez pas. J'ai repris des notes sur des applications. Alors, c'est plutôt des mini-sites, des mini-applications web pour faire du partage de fichiers temporaires. Pour se partager des gros fichiers. Premier usage en entreprise, plutôt que de se balancer un fichier de 60 mégas par mail, comme des bourrins, parce que le mail n'est pas fait pour ça. Vous posez votre fichier sur un partage temporaire, vous donnez le lien du fichier dans le mail, la personne récupère le fichier, et après c'est fini, on n'en parle plus, le mail il fait 1,5 kg, et pas 60 mégas. Ça facilite la vie de tout le monde. Il y a plein d'options qui permettent d'auto-héberger ce genre de service. Il y a même des modules de partage de fichiers directement intégrés dans des outils qu'on commence à connaître ici, hein, le Nextcloud. Et il y en aura peut-être d'autres, voilà. Donc ça, j'avais ça de noté depuis une éternité dans le truc. Sinon. Que dire, que dire, que dire. Que dire, que dire, que dire. Je vous le dis maintenant. À la fin du mois, il va y avoir une sacrée pause parce que je vais être 2 week-ends d'affilée absent. Et comme je suis obligé de partir loin, en fait, je pars le vendredi. Donc il n'y aura pas de stream les vendredis. Donc si on prend le calendrier, que vous voyez pas parce qu'il va être derrière la caméra, c'est très rigolo. Est-ce que j'ai pas un petit calendrier? Donc le 27. Voilà, non, le 28. Le 28, pas de stream. Le 5, pas de stream. Voilà, donc il y aura deux semaines sans stream, ce qui veut dire qu'on se reverra, donc on se voit encore la semaine prochaine, et après on aura 3 semaines à la cool, entre guillemets. Et on se reverra le 12 juillet. Alors sauf à caler un stream un autre jour de la semaine, on sait jamais, hein, pourquoi pas, mais le problème c'est que l'autre jour de la semaine, c'est compliqué.
C'est compliqué, c'est compliqué. Ça demande un peu d'organisation. Souvent, je suis même claqué. Donc, c'est pas. Déjà que je suis claqué le vendredi soir. Mais comme je peux buller comme un malade le lendemain, je m'en fous. Putain, 14 juillet, un dimanche cette année. Ah oui, on se fait bien couiller. D'accord. Ok. Donc voilà, encore un stream la semaine prochaine et après. Putain, ça passe à une vitesse. Et après, 2 semaines sans se voir. Ça vous laissera le temps de m'oublier tranquillement. Comme la pause qu'on a fait à Noël, qui fait que depuis le début de l'année, c'est compliqué d'avoir du public. Voilà, voilà. Alors du coup, je suis obligé de repasser par là. Comme j'ai tout débranché, je repasse par l'interface de. D'OBS. Le replay, comme d'habitude sur YouTube, demain normalement dans la journée. Vous verrez que normalement j'ai amélioré un petit peu le traitement du son. J'ai découvert des choses par rapport à ce que je faisais, qui au final étaient très dégueulasses. Donc du coup, et le fait est que j'ai réécouté certains anciens lives que j'ai posés, c'est vrai que le son est quand même pas fou. Je m'en excuse. Dans le futur, ça devrait aller un peu mieux. Parce que j'ai compris ce que je faisais mal. En gros, j'essayais de monter trop le volume. Quand vous montez trop le volume, derrière, quand vous uploadez sur YouTube, YouTube va normaliser pour baisser le volume à un niveau qu'il considère comme acceptable. Et quand il fait ça, bah du coup, ça dégrade la qualité du son. Et donc là, j'augmente un peu. Quand même, ce qu'il faut augmenter un petit peu parce que YouTube va le baisser de toute façon. Mais si on l'augmente au bon niveau, YouTube ne le rebaisse pas et donc ne redégrade pas la qualité derrière. Toujours ça de prix. Voilà. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de soirée, un bon week-end et on se retrouve donc vendredi prochain. Pour le dernier stream avant petite pause, quelle pause de stream. Je ne vais pas me reposer une seconde dans ces week-ends-là. Voilà. Sur ce, ciao ciao!